Minou, t'as jamais pensé qu'on devrait peut-être déménager dans une autre ville? Je sais pas, moi, changer d'air, essayer autre chose. Ben voyons donc, toi, qu'est-ce que c'est ça, ces folies-là, matin? Déménager. Pour aller où? Puis penses-tu vraiment que c'est mieux ailleurs? De toute façon, ça peut pas être plus mauvais que site. J'aurais peut-être plus de chances de me trouver une job. Aux États-Unis, par exemple. Pauvre Pitou. Penses-tu, toi, que tu peux aller travailler aux États-Unis comme ça, là? Hey, t'as pas entendu parler de la fameuse carte verte? Je te dis qu'elle est pas facile à obtenir, hein? Puis je veux pas te faire de peine, là, mais tu parles l'anglais comme une vache espagnole. Ouais, je te dis que t'as le don de remonter le moral d'un gars. Toi, merci quand même. C'était rien que de toi, on bouvera pas souvent. Oh, excuse-moi, Pitou, là. Je te taquinais, hein? Mais qu'est-ce qui va pas, toi? C'est encore parce que t'es sur le chômage, là, que t'es déprimé, hein? Arrête de t'en faire. Tant que je travaille, là, on se débrouille assez bien. Alors pourquoi tronger mes neiges comme ça, hein? Mais t'es sûr, là, qu'il y a rien d'autre qui t'achale, hein? T'es sûr? Non, 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 il y a rien d'autre. C'est que c'est humiliant pour un gars de se faire vivre par sa femme. Tu sais, Minou, c'est en train de me faire capoter. Puis, j'aurais le goût d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Il me semble que ça nous ferait du bien. Ben oui, mais là, tu trouves pas qu'on a passé l'âge de partir à l'aventure? Voyons donc, c'était bon quand on avait 20 ans. Écoute, moi, là, je serais prête à te suivre n'importe où. Mais à condition qu'on sache ce qui nous attend, tu penses pas que ça fait du sens, ça? Si tu me disais que t'as du travail qui t'attend, ben moi, je marcherais. Mais là, en attendant, arrête de broyer du noir, hein? J'aime pas ça de voir comme ça. Non. Je sais pas ce que je ferais si je t'avais pas. Remarque que ça me fait suer, par exemple, que t'aies toujours raison. Ouais, mais là, je suis sincère, hein? Je suis très sincère, pis tout. Si tu trouves de l'emploi ailleurs, ben moi, je serais prête à tout lâcher pour te voir heureux. Je vais m'informer auprès de mes chums. J'ai 2-3 contacts. Tu sais, Minou, je t'en parle pas souvent, mais je sais que tu travailles fort pour qu'on ait une vie à peu près normale. Ça doit pas être facile de travailler à 2 places en même temps. Oh, je m'en plains pas, hein? Surtout que j'ai le sentiment de rendre service à du bon monde. Puis Julie, ben, elle me dit souvent que c'est comme si je faisais partie de la famille. C'est vrai, ça. Depuis le temps que tu torches les debris, tu passes plus de temps avec eux autres qu'avec moi. Moi, ben, des fois, j'ai l'impression qu'ils ont plus besoin de moi que toi. Hey, ça, c'est pas vrai. Mais j'ai rarement vu une famille compliquée comme ça. Ils ont-tu assez du trouble avec leur argent? Parlant des debris, je viens de lire qu'Alexandre cancelle un autre concert à Place des Arts. Mais qu'est-ce qui arrive? Ils vont pas mieux? Oh, parle-moi-en pas. J'aime pas parler de leur vie privée, là, mais Julie, elle m'a confié qu'elle était très inquiète. Il paraît qu'Alexandre, là, il se remet pas de sa dépression nerveuse. Elle dit qu'il est pire que jamais. Puis ça a l'air que il est rendu avec un gourou. Un quoi? Un gourou. Ça, là, c'est un genre de maître spirituel qui dit quoi faire. Tu sais, comme dans des sectes religieuses. Ah, oh, oui, oui, je comprends, là. Un peu comme l'affaire Johnstown, il y a une couple d'années. C'est dangereux en bâtard, ces affaires-là. Je comprends donc. C'est pour ça que Julie, elle sait plus pantoute quoi faire pour aider Alexandre. Oh, on dirait qu'il a perdu la tête. Mais il me semble que il vivait avec un autre gars, là. L'écrivain que tu m'avais parlé, là. Ah, Christian Savoie. Mais non, il vit pas avec lui. Voyons, c'est un ami, c'est tout. Mais Savoie, il pourra pas aider Alexandre à s'en sortir. Ça m'a l'air d'un gars intelligent. Ben là, je sais pas, moi. Remarque, il est peut-être embarqué dans le même bateau, lui aussi. Ouais. Y en a-tu des raquettes de nos jours? T'es cœur, hein, comme le monde est méchant. J'ai laissé le sang en arrière. Deuxième, troisième, c'est là que j'accélère. Lancé en quatrième, l'on déplace de l'air. Concertement, concertement.
Un peu d'argent, beaucoup de morts dans Pontiac le Mans. Passionnément. Le Mans aérocoupé. Police d'assurance gratuite pour un an. Chez votre concessionnaire Pontiac Buick GMC. Ha! Le cholestérol en soi n'est pas une maladie. C'est une matière essentielle à la vie et au développement de l'enfant. Il est donc naturel qu'on le retrouve dans une foule d'aliments et même dans le lait maternel. Le cholestérol nourrit la vie. Ce n'est pas la science, mais la nature qui en a décidé ainsi. C'est moi le proprio. Ma cour est peut-être à l'envers. Mais mon bureau, lui, est impeccable. Parce que j'utilise un javelisant avec nettoyant. Le nouveau Javex nettoie plus. Il nettoie comme un javelisant et mieux encore. Ça enlève les taches. Ça enraye vite les germes. Hé, madame! Ça détache même la saleté et la graisse qui résistent à un javelisant tout seul. Le nouveau Javex nettoie plus. Il nettoie comme un javelisant et mieux encore. Contact, première. Je laisse tout en arrière. Deuxième, troisième, c'est là que j'accélère. Lancé en quatrième, l'on déplace l'air. Pontiac le Mans, Pontiac le Mans. Un peu d'argent, beaucoup de monde dans Pontiac le Mans. Passionnément. Le Mans aérocoupé, police d'assurance gratuite pour un an. Chez votre concessionnaire Pontiac Buick GMC. Ah! À vous des petits blocs, ces pédales. Ad lib, du lundi au vendredi et le samedi en reprise. Les Canadiens toujours dans la course au championnat. Mercredi 18 mars à 19h30, Montréal accueille Philadelphie au réseau TVA. T'as l'air fatigué, as-tu veillé tard hier? Au contraire, je me suis couché très tôt. La soirée était pas mal drabe, alors j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Alors, tu viens me voir à quel sujet exactement? T'as l'air pressé. Je te dérangerai pas longtemps, c'est que hier, j'ai oublié de te parler d'Alexandre. Ah oui, toi aussi. Qu'est-ce qui se passe? T'as eu des nouvelles? Oui, justement. Il est venu me voir à mon bureau. Laisse-moi dire qu'il emmène pas l'argent, il n'y a pas d'amélioration. Ce qu'il m'a demandé, c'est qu'il voudrait toucher au capital du trust fund que grand-papa lui a légué. Puis comme il s'agit d'actions des entreprises, ben, il a pensé que tu pourrais accélérer le processus de vente. Comme ça, il pourrait toucher à son argent plus rapidement. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça, lui? Ah, ben là. Je sais pas si tu réalises, là, mais on parle de quelques millions. Tu crois que ce serait sage de donner accès à cette petite fortune? Moi, je pense que dans son état actuel, il peut nous dilapider ça d'un coup. Exactement ce que j'ai pensé quand il m'a demandé ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il est rendu d'âge légal à toucher son héritage. Y aurait-il un moyen légal pour l'en empêcher? Ce serait difficile. À moins de le faire déclarer inapte à administrer ses biens. Hey, tu vois le scandale d'ici. Oh, je tenais de faire la manchette des journaux avec nos problèmes de famille. Non, je pensais plutôt essayer de le convaincre à laisser son argent placé. Il peut largement vivre de ses intérêts. Ça, c'est un autre de ses caprices. Moi, je voudrais pas te contrarier, mais il était bien catégorique. Il marcherait pas. Ah, OK. D'accord. Je vais engager les procédures. Laisse-moi te dire que je vais le faire contre-cœur. Pauvre Alexandre, je sens qu'il est sur le point de nous faire une autre connerie. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait tenter de lui parler. Mais je ne sais pas si tu serais d'accord. Ouais. Qui? Frédéric. Mais tu sais comment il a toujours respecté son jugement. Oublie ça, il n'y en est pas question. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est de voir Frédéric retourner dans la vie d'Alexandre. OK. J'ai rien dit. On s'en reparle. Ciao. C'est probablement quelqu'un qui nous a vus ensemble l'autre soir au bar, puis qui en a parlé à Jean-Philippe. J'ai pas besoin de te dire qu'il était contrarié. J'ai passé une soirée misérable. Non, je peux pas croire qu'il t'a fait une scène parce que t'étais bien avec un copain. Oh, ben tu vois, ça confirme ce que je disais. Vous êtes pas fait pour aller ensemble, il est bien trop possessif. Non, tu comprends pas, c'est parce que... C'est parce qu'il m'aime qu'il agit comme ça. Je sais que son comportement est difficile des fois, mais... C'est parce qu'il a peur de me perdre.
ça qu'ils m'ont dit. Encore une fois, t'essaies de m'excuser. C'est trop facile d'essayer de s'excuser en disant ça après une crise de jalousie déplacée. En tout cas, moi, je trouve sa réaction démesurée. Et après tout, on n'a rien fait de bien grave, si je me souviens bien. Mais oui, mais j'y ai menti. J'ai dit que j'avais passé la soirée avec une dizaine de copains. Alors, quand quelqu'un lui a rapporté nous avoir vus en tête à tête, ben... Mais là, je comprends. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que j'ai senti qu'il t'aimait pas. Je voulais pas l'irriter. Tu te souviens de ce qui s'est passé au domaine? Frédéric, c'est rien penser au domaine. C'est Jean-Philippe qui a encore amplifié une situation banale. Mais moi, je pense que... Ben, il y a peut-être une autre raison pour laquelle tu voulais pas lui dire qu'on était ensemble. Non. Non, non, je voulais juste... Je voulais juste pas qu'il s'imagine qu'il y a quelque chose entre nous deux. Exactement. Je pense que tu t'es senti un petit peu coupable à cause de notre conversation de ce soir-là, quand je t'ai dit que je t'aimais. Yves, reviens pas là-dessus, OK? Il me semble qu'on s'est entendu pour rester des bons amis, là. Ben oui, mais... Moi, mes sentiments ont pas changé. Je t'aime de plus en plus, Frédéric. Et maintenant que je sais que notre conversation t'a pas laissé indifférente, sinon t'aurais pas menti à Jean-Philippe. Avoue-le. Avoue que notre conversation t'a touché, toi aussi. C'est tout à fait normal, je sens que tu remets en cause ta relation avec lui, puis c'est pas nécessairement à cause de moi. Avant même que je te dise que je t'aimais, là, t'avais de sérieuses réserves sur son offre de t'épouser, c'est toi-même qui me l'as dit. En tout cas, si t'as raison, tu m'aides absolument pas à voir clairement tout sur toi. Je suis flattée que tu m'aimes. Toutes les filles à la faculté de musique le seraient. Mais je suis pas prête à laisser Jean-Philippe. Puis je persiste à croire qu'on pourrait régler nos différends. Ça me surprend pas de t'entendre parler comme ça. C'est dans ta nature. T'es une fille généreuse. T'es pas du genre à vouloir faire de mal à quelqu'un volontairement. Mais moi, j'ai le sentiment que tu t'es embarqué dans une galère puis que tu sais plus comment t'en sortir. C'est bien beau penser aux autres, mais à un moment donné, il faut que tu penses à toi. Il faut que tu arrêtes de te demander si ce que tu fais va plaire ou déplaire à Jean-Philippe. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est plus fort que moi. Il est tellement bon pour moi et surtout pour ma fille. C'est un homme sensible, humain, qui s'occupe de nous. Je sais qu'il est malheureux dans ce qu'il fait. Puis qu'au fond, il a le tempérament d'un artiste, sauf qu'il est obligé de jouer un rôle. On a beaucoup en commun. Je te le concède. Mais c'est pas une raison pour que toutes tes décisions soient prises en fonction d'avoir son approbation. Il faut que tu vives ta vie. Ton libre choix est important. En tout cas, moi, je respecterais ta liberté si on vivait ensemble. Ça me fait drôle que tu parles comme ça parce que j'ai justement une décision à prendre qui risque de déplaire à Jean-Philippe. Bon, mais si c'est important pour toi, là, vas-y, hésite pas. Même si ça peut embêter les autres. Si t'es convaincu que tu fais la bonne chose, ben, ils finiront bien par comprendre et accepter. Oui. Oui, puis je vais le faire. Tu peux être très persuasif, hein? Même que des fois, j'ai peur de l'influence que t'as sur moi. Bon, écoute, Frédéric, tu sais très bien que je te conseillerais jamais rien qui pourrait te causer des ennuis. Puis d'un autre côté, je réalise que j'ai peut-être eu tort de parler de mes sentiments ouvertement. Mais moi, je pensais que ça pourrait t'aider à prendre tes décisions. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Avec moi ou avec un autre. Je l'apprécie, mais... Là, donne-moi le temps de faire un peu de ménage dans ma vie. J'ai besoin de toi comme ami présentement, OK? Inquiète-toi pas, je décroche pas. Mais si jamais tu décidais de laisser Jean-Philippe, je serais super heureux qu'on vive ensemble. Je te souhaite de trouver une solution, mais... Ben, dis-toi que... Ben, que je reste en coulisses patiemment. Ben, je vais te répéter ce que tu viens de me dire. Perds pas l'occasion de faire ce qui te plaît. T'attends pas l'approbation des autres. Ça semble sérieux ce que t'as l'intention de faire. Veux-tu qu'on en parle? Non, non, quand ça va être fait, je sais pas comment ça va se passer, là, mais je pense que je suis terrifiée à l'idée de la vie.
Nous avons conçu la Dodge Spirit et la Plymouth Acclaim en nous inspirant des gens d'ici, de leur joie de vivre, de leur hospitalité, de leur dynamisme et surtout de leur incroyable sens des affaires. Juste un essai et vous serez convaincu. Pour un temps limité, 1 000 $ de remise ou un taux de crédit du fabricant. Les shampoings ordinaires font beaucoup pour vos cheveux, mais très peu pour vos pellicules. Les shampoings contre les pellicules sont bons, mais que font-ils pour vos cheveux? Un shampoing pour vos cheveux, un pour vos pellicules. Cheveux, pellicules, cheveux. Cessez de tourner en rond. Prévenez les pellicules tout en revitalisant vos cheveux avec le nouveau Head & Shoulders 2 en 1. Vos cheveux y gagneront. Vos pellicules y perdront. Cessez de tourner en rond avec le nouveau Head & Shoulders 2 en 1. Maintenant, votre visage peut refléter quelque chose de merveilleux avec tout l'éclat que donne une belle peau. Voilà ce que procure le maquillage propre de CoverGirl. Le look superbement éclatant qui vient avec ce qui est bon pour votre peau, avec les plus purs ingrédients Noxzema. Pour obtenir une teinte naturellement belle, bien à vous, une apparence radieuse qui vous est propre. C'est ce qui est merveilleux avec le maquillage propre. Tout ce que l'on voit, c'est une belle peau, la vôtre. CoverGirl, la beauté repensée. Est-ce que tous les assouplissants textiles sont les mêmes ou est-ce que l'une des marques les plus populaires rend les serviettes plus douces? La différence est étonnante. Regardez. 1, 2, 2, 3, 4. Quel assouplissant textile donne de l'épaisseur et la douceur la plus moelleuse? Oui, c'est Downy. Et c'est prouvé. Downy adoucit mieux. Vos vêtements propres, sont-ils vraiment propres ou sont-ils imprégnés d'odeurs? Odeurs de transpiration que la chaleur du fer libère. Oh, ça sent comme ces vêtements sport. Des odeurs de cuisson se dégagent. Je pensais que c'était propre. Des odeurs de fumée se répandent. L'odeur est encore là. L'ultra-oxydol avec Javel supprime la saleté et les odeurs. Comme ça, vos vêtements sont propres, même sous la chaleur et la vapeur de votre fer. Plus d'odeurs. Plus d'odeurs. L'ultra-oxydol avec Javel supprime les odeurs imprégnées. Ça me fait tellement plaisir de te voir, Linda. Mais t'aurais pas dû venir ici. Tu connais Couleuvre? Oh, je sais tout ça. Tais-toi-en pas. Je viens de le voir entrer à taverne. C'est pour ça que je me suis dit que c'était en plein le moment de venir voir comment t'allais. Pas pire. Ben, c'est toi une minute. Veux-tu une bière, un café? J'ai pas grand-chose d'autre. Non, non, non. Non, non, je veux rien. Ah, oh, ben tiens. Une cigarette. Tanné, Marie, tu vas être dans peur demain. C'est rendu que les gens qui veulent te voir sont obligés de surveiller quand est-ce que Couleuvre est pas là. C'est pas une vie, ça, hein? Pauvre Marie. Ouais, je te cache pas que je fais une petite vie plate. Il veut pas qu'on reçoive de monde. C'est rendu qu'il trace même plus ses amis. Depuis quelque temps, c'est pire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais t'es plus folle que moi. Ça fait longtemps que je leur ai tiré les cœurs, hein? T'es trop bonne, Marie. C'est pour ça qu'il abuse de toi. Il sait que tu ne diras jamais rien. Inquiète-toi pas, Linda. Un jour, il va avoir une surprise, je vais me tanner. Je dis souvent que les gens mauvais finissent toujours par payer pour le mal qu'ils ont fait. Mais voyons, Marie. Si tu cherches la justice à terre, tu risques d'attendre longtemps. Prends ma parole. Moi, je pense que la seule justice qui existe, c'est celle que tu te fais toi-même. Et c'est pas toujours facile, Linda. Pendant que j'y pense, là... J'ai l'argent que tu m'as prêté l'autre jour. Je voulais justement t'appeler pour te le rembourser. Voyons donc, pas le 20$ que je t'ai donné. C'est un cadeau que je t'ai fait. Achète-toi quelque chose, là. C'est un prêt, Linda, puis je veux payer mes dettes. Il me reste peut-être plus grand principe, mais ça, j'y tiens. Fais-moi plaisir, prends-le. Ça presse pas que je te dis, j'en ai pas de besoin. Tu me le remettras plus tard quand t'en auras plus, OK? Fais-moi plaisir, Linda. T'as été assez fine de me le prêter. S'il te plaît. Oh, tu insistes. Comme tu voudras. Merci. Puis comment ça va, toi, pour de ça? Pas si bien que ça. Hein? Écoute, Linda, c'est vrai que je voulais te téléphoner pour te remettre le 20$, mais aussi pour te mettre en garde.
Ça commence à m'énerver bien gros, cette affaire-là. Comment ça, mais t'en gardes? Et tu m'énerves, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens faire là-dedans encore? C'est pas toi directement, c'est... ça concerne Jim. Je vais t'expliquer. L'autre soir, Couleuf a dit à Bruno qu'il savait maintenant qu'il l'avait dénoncé dans l'histoire de drogue de Nicolas Dumont. Tu te souviens de cette affaire-là? Mm-hmm. Il a dit qu'il était sûr que c'était Jim Prévost qui l'avait dénoncé, puis il a juré de se venger. Il pense que c'est Jim qui l'a stoulé? Oh, mais t'as raison, il est plus fou que jamais. Mais c'est grave, ça. Il t'a-tu dit ce qu'elle a fait? Non. Mais avec lui, tu peux t'attendre à n'importe quoi. Même Bruno commence à avoir peur de lui. Il a juré qu'il ne retournerait jamais en prison, qu'il aimait mieux mourir avant, qu'il n'a plus rien à perdre. C'est pour ça que je voulais te dire de te méfier, toi puis Jim. Je te remercie, moi. Je vais aller prévenir Jim. Bon, mais je pense que je vais y aller au cas où il reviendrait. Et tu devrais faire attention, Marie. Tu devrais partir le plus vite possible, parce que moi, j'ai l'impression que Couleuvre, là, il est sur le point d'éclater. Hein, faut que tu te surveilles. Et si t'apprends d'autres choses, téléphone-moi, OK? Ouais, promis. Bonne chance. Pense à ce que je t'ai dit. T'inquiète pas, Linda. C'est déjà tout pensé. Comment te sens-tu, Alexandre? Tu es malade? T'as très mauvaise mine aujourd'hui, j'aime pas ça du tout. Je me sens très bien, puis arrête de m'épier continuellement. Damien m'a dit qu'il serait préférable qu'on se voit pas trop souvent avant mon initiation, alors si tu veux quitter... Justement, j'aimerais qu'on en parle de cette fameuse initiation. Si tu veux mon avis, je trouve que Damien précipite les événements. Il y a quelque chose qui m'agace dans tout ça. Après tout, on connaît pas beaucoup cette association. Je me demande si j'ai bien fait de te le présenter. J'aime pas ses méthodes. Figure-toi que moi, je l'aime bien, Damien. Puis je suis très curieux de voir ce qu'il peut m'apporter. Serais-tu le fait que tu seras pas initié tout de suite qui te contrarie? Pas du tout. C'est le fait que son organisation ressemble beaucoup plus à une secte religieuse qu'à un mouvement d'entraide philosophique, comme il m'en avait parlé. L'aspect pécuniaire me laisse perplexe. Je trouve qu'il demande beaucoup d'argent pour appartenir à son groupe. Est-ce qu'il t'a demandé quelque chose dans ce sens? Je suis pas en mesure d'en parler. D'ailleurs, Damien m'a recommandé de pas dire un mot de notre conversation avec qui que ce soit. Demande-moi-en pas plus. Alexandre, je suis pas n'importe qui. Je suis ton meilleur ami. J'aimerais que tu me dises ce qu'il t'a demandé. Ça m'aiderait à me former un jugement sur lui. C'est à toi que je pense. Je veux pas qu'on t'exploite, c'est tout. Qui t'es, toi, pour juger notre maître? Je te défends de douter de sa sincérité. Si t'es venu ici pour dire du mal de mon protecteur, je veux pas t'entendre. Alors, Alexandre, je veux bien admettre que Damien est impressionnant, mais de là à suivre ses consignes aveuglément, il y a une marge. C'est un conseiller spirituel, pas plus. Tu dois départager ce qu'il dit entre l'utopie et la réalité. Oh, il peut te promettre beaucoup, mais... il n'est peut-être pas en mesure de réaliser tous tes rêves. Damien n'est pas celui qui donne tes faveurs. Il n'est que l'intermédiaire. Mais c'est grâce à lui qu'on peut communiquer. Communiquer. Communiquer avec qui, Alexandre? T'es certain que tu ne veux pas me dire ce qu'il t'a promis? C'est comme ce liquide qu'il t'a donné. Supposément pour calmer tes nerfs. Je crois pas que tu devrais le boire. On ne sait pas ce qu'il contient. Damien n'est pas médecin. Ça peut être malsain pour ta santé. Tu devrais jeter ça à poubelle. Veux-tu que je te dise, Christian? Je crois que tu es très frustré du fait que Damien soit devenu si vite mon copain, qu'on ait une relation intime, et que tu sois pas encore accepté dans son cercle privilégié. Mais sois patient. Le moment venu, je dirai un bon mot pour toi. Je t'assure que ça n'a rien à voir avec la façon cavalière avec laquelle il m'a traité. Mais je trouve étrange le peu de temps qu'il a mis à te convaincre, toi qui étais si sceptique avant de le rencontrer. J'avoue qu'au début, j'y croyais pas. Mais dès que je l'ai vu, j'ai senti que je pouvais avoir confiance en lui. Il m'a tout de suite compris. Puis quand je serai initié, que je serai un de ses disciples, il me donnera tout ce que je veux. Que veux-tu, Alexandre? T'as tout ce qu'un homme peut désirer. Que veux-tu de plus?
Damien le sait, lui. Avant même que je lui dise, il le savait. C'est notre secret. Je te remercie, Christian, de m'avoir introduit dans la vie de cet homme remarquable. Mais je t'interdis de le calomnier. D'accord. Dis-moi, Alexandre, si je te demande une grande faveur... J'ai pas de faveur à te rendre. Mais demande toujours de quoi il s'agit. Si je te demandais de voir un psychiatre avec moi, qu'en dirais-tu? Ça t'empêcherait pas de continuer à voir Damien? Je devrais t'offenser par ta demande, mais je le suis pas. Christian, j'ai pas besoin de voir un spécialiste. Bientôt, j'en aurai plus d'ennuis. Damien va s'arranger avec tout. Tu devrais faire comme moi. Tu devrais avoir confiance en lui. Toi aussi, t'as besoin d'aide. Je vois que rien ne te fera changer d'idée. Alors, je te demande de retarder ton initiation. Juste un peu. Le temps de mieux connaître Damien. Donne-moi le temps de m'informer davantage sur lui. Non. C'est lui qui déterminera lui-même le moment où il est prêt à m'accepter. Je veux pas que t'interviennes d'aucune façon, tu m'entends? C'est à mon tour de te prévenir. Mêle-toi pas de choses qui te concernent plus. De choses qui te dépassent, Christian. De forces que tu connais pas. Mais il t'a complètement omnibulé. Alexandre, je t'en supplie. Arrête tout ce cirque. On est allé trop loin, mais il n'est pas trop tard. Appelle Damien. Dis-lui que t'es plus intéressé. Je sais pas pourquoi, mais... il me fait peur. Ce charlatan. T'as raison de le craindre, Christian. Mais t'as tort de dire qu'il est pas trop tard. J'ai déjà conclu un pacte avec Damien. Nous avons pensé rendre ce petit véhicule plus abordable et nous l'avons un peu amélioré avec un puissant moteur 127 chevaux, des freins à disque aux 4 roues et une direction à crémaillère. Voici l'Escorte GT, formule améliorée. Ford, les idées qui font du chemin. Les produits que vous choisissez ont des conséquences visibles sur l'environnement. Mais bien choisir n'est pas toujours facile. Alors, nous vous aidons en soumettant les produits à des examens scientifiques et impartiaux pour identifier ceux qui sont moins nocifs. Puis, nous y apposons notre symbole. Recherchez ce symbole, choix environnemental, et ne laissez pas sur une tablette l'idée d'une meilleure planète. Cette semaine, dans 7 jours, le grand tournant dans la vie de Joanne Blouin. Toute l'histoire de son nouvel amour. Aussi dans 7 jours, le vrai visage de Patrice Lécuyer. L'homme derrière le robot de Terminator 2. Et le secret de la liberté de Raymond Bouchard. Plus votre numéro chanceux pour gagner jusqu'à 7 000 ou 10 000 dollars par semaine. Et vos deux affiches géantes, Les oiseaux des parcs et des forêts et Marky Mark. Plus votre rêve TV 7 jours gratuit. En grande primeur, les intrigues finales de tous les téléromans. 7 jours, toujours en spécial à 1,77. Ce que nous aimons dans le 7 jours, c'est TV 7 jours. Bonjour, Madame Lapointe. Alors, toujours en forme? Toujours, et plus que jamais. Ça fait maintenant plus d'un an que je suis le régime Slim Fast. Vous vous souvenez? En 11 mois, j'avais perdu 35 livres. Mais ce qui est formidable, c'est que, depuis, je n'ai pas repris les livres perdus. Pour maintenir mon poids, je continue à prendre mon Slim Fast une ou deux fois par jour. Et le soir, en famille ou avec des amis, je prends un repas bien équilibré. Et ça marche. Dès la première semaine, le régime Slim Fast vous aidera à perdre du poids. C'est une fraîcheur remarquable. L'ambiance. Moi, je me sens chez nous. Ouf, ça sent assez bon. Les tomates sont belles, elles sont rouges. Les gens ont une bonne formation. Bonjour, Jean. Tout le monde se parle. Ah, lui, je l'ai connu, il était haut comme trois pommes. Elle me dit que Coula va jurer de se venger. Il pense que c'est toi qui l'as donné à la police. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu veux que je fasse, c'est pas grand-chose à faire avec un maniaque comme ça, à part être prudent. On va se surveiller.
Ouais, je t'ai dit que moi, je vais être content quand il va être retourné en dedans ou bien que quelqu'un va y avoir mis une balle dans la tête, lui. Oh, mais c'est toi qui l'as stoulé? Me semble pas ton genre. Écoute, Linda, c'est une bien longue histoire. Je te raconterai ça un de ces jours. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce qui est arrivé à ce chien sale-là, là, il l'a pas volé. Marie, elle devrait le laisser tomber au plus sacré. Mais c'est ce que j'y ai dit aussi. J'aime pas ça qu'il soit après toi. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Hey, qu'est-ce que tu dirais de ça à cette heure que t'as plus de dette, là? Qu'on aille rejoindre Eric puis Pascal en Floride. Hein? On a reçu des nouvelles d'eux autres un matin. Ils nous attendent. Ça te tente pas de lâcher ça, ce monde de détraqué là, des fois? Va te dire bien franchement. Aujourd'hui, je dirais pas non. À peine une couple de semaines que ça me trotte dans la tête. Alors, je commence à en avoir plein de casse de ce métier de fou, là. Dire que c'est agréable de gagner sa vie en fouillant dans la vie des autres, ça serait mentir. Oui, mais qu'est-ce qui nous empêche de foutre le camp? Donne-moi 2 jours pour régler toutes mes affaires, là, puis je te dis que j'amènerai pas grand-chose. Oh, là. J'ai pas dit que j'étais prête à partir tout de suite, j'ai dit que ça me tentait, il y a une différence. De toute façon, tu sais, j'ai promis à Charles que je surveillerais son neveu, Alexandre. Une promesse, c'est une promesse. Charles, c'est un trop bon gars. Mais combien ça va te prendre de temps à régler ce dossier-là? On pourrait partir après? J'ai aucune idée. Ça peut aller vite comme ça peut être pas mal long. Et puis pousse-moi pas. Tu sais que j'aime pas ça. Quand je vais être prête à partir, je vais te tenir au courant. OK, beauté? Ça avances-tu ton enquête au moins? Il me semble que t'as pas l'air ben enthousiaste. Qu'est-ce qu'il veut au juge, Charles? Ah, mais c'est ça qui est compliqué. Charles, il était inquiet parce que son neveu, Alexandre, il s'est mis à boire et à sniffer. Il a arrêté de travailler. Il a capoté bien. Puis il veut que je jette un œil sur lui. Je sais pas par où commencer. J'ai un lead, là, mais c'est mince. J'ai identifié un dénommé Christian Savoie. Ça a l'air qu'il se fréquentait. J'ai interrogé les gens dans le voisinage. Ils m'ont dit que c'est son amant ou bien que c'était son amant. Et toi, tu penses que plus que ça? Et hey, ça sera pas le dénommé Christian qui y fournirait la drogue? Ah, non, c'est pas lui. C'est un gars bien clean. Ça a l'air qu'il est écrivain. Il est assez connu. Non, ce que Charles a peur, c'est que... qu'Alexandre... il y a quelqu'un qui... autour de lui qui l'exploite, tu sais. Charles, il dit que son neveu est en pleine dépression nerveuse. Puis, naïf comme lui, mais ça serait une proie facile. Ça a l'air bien tordu, ton affaire. Hey, qu'est-ce que tu dirais de prendre off cet après-midi, hein? Puis qu'on oublie ça, la famille Debré, pour quelques heures. Puis qu'on monte dans Laurentides. Non, je peux pas. Non. J'ai rendez-vous avec Denis. Il m'a dit qu'il y avait peut-être quelque chose pour moi. Non. Ça me fait de la peine d'être désappointé. Mais je te promets qu'on va se reprendre. C'est toujours la même chanson, qu'on se reprend jamais. Je commence à t'habituer. Une bonne fois, je vais te surprendre. Je vais arriver avec 2 billets d'avion puis ma valise. Mais pas ça. Des plans pour me donner une crise cardiaque. Je voulais te demander, Sonia. La femme qui est morte récemment dans un accident d'auto, Jackie Lévy, tu m'avais parlé d'elle. Tu l'avais déjà tirée aux cartes. Exact. C'est malheureux qu'elle soit partie prématurément, Damien. C'était une candidate idéale pour notre secte. Sous son air déterminé se cachait une grande confusion. Ça aurait été relativement facile de l'enrégimenter. Dommage. Mais j'avais vu sa mort dans les cartes du tarot quelques jours avant l'accident. Ah, qu'est-ce que tu veux? On peut pas toutes les attraper. Ce qui est important pour l'instant, c'est de se concentrer sur un autre sujet qui, lui, est mûr pour le recrutement. Alexandre Léonard. Comment ça se présente? As-tu commencé à le préparer? Samantha m'a dit qu'il vaut des millions. Si ça marchait, ce serait merveilleux pour toi, maître. Il n'y a pas de si. Il faut que ça marche. Ça fait des années que j'attends pour une proie comme lui. Jeune, déséquilibré, influençable et surtout très riche. Oui, le travail est amorcé. J'ai déjà commencé à y faire prendre ma petite mixture de champignons hallucinogènes. Une dose juste assez forte pour le maintenir dans une euphorie pendant quelques jours.
avant l'initiation. Hein, le poivre du diable. Oui. Je connais bien ces champignons. Mais pourquoi précipiter l'initiation? Il n'y a pas un risque à aller trop vite. Oui. T'as raison, mais il faut faire vite. Parce qu'il y a un problème. Christian Savoie, il me résiste. Il pose trop de questions. Il pourrait tout faire rater juste avant qu'on atteigne notre but. Non seulement il est extrêmement possessif, mais en plus, il surprotège Alexandre. Ah, je vois. En effet, c'est peut-être une sérieuse embûche. Mais que comptes-tu faire de ce Christian? Il ne faut pas qu'il te nuise. Ça, je ne l'accepterai pas. Est-ce que je peux faire quelque chose? Peut-être. C'est justement pour ça que je t'ai fait venir aujourd'hui. Si Christian s'oppose, ou qu'il fasse quoi que ce soit pour nous causer des ennuis, il va falloir l'éliminer. Je peux compter sur toi, hein, ma fidèle Sonia. Je ferais n'importe quoi pour toi, Damien. Tu le sais, t'es mon maître. Préfères-tu le voir disparaître maintenant? Ta tâche serait peut-être plus facile. Non. Bouge pas pour tout de suite. S'il arrivait quelque chose à Christian, ça pourrait perturber Alexandre. Non, ce serait trop délicat. On va attendre de voir son attitude. Il sera toujours temps de s'en débarrasser. J'imagine qu'une fois initié, Alexandre va demander des preuves de ta puissance. C'est sans doute ce que tu lui as promis. Je lui ai dit qu'une fois qu'il sera un des nôtres, il va obtenir ce qu'il désire. J'ai commencé à penser comment le satisfaire, ou du moins à y faire croire qu'on peut le satisfaire. Donc, il faut l'initier pour qu'il se sente des nôtres. Je vais commencer tout de suite à tout préparer. Je vais contacter nos disciples pour qu'ils soient prêts. Quand veux-tu procéder, Damien? Demain soir. Ben. Je veux que ce soit demain soir. L'initiation va suivre une petite cérémonie spéciale. Une messe noire. Oui. Une messe noire. Oui. C'est demain soir que je veux qu'Alexandre m'appartienne. Damien, mais Alexandre a tout de même de la famille. Il n'y a pas de danger que ces gens-là s'inquiètent de son comportement et interviennent? Quand je lui dis que sa famille est contre lui, j'ai l'impression que je ne me trompe pas beaucoup. D'après ce qu'il m'a confié, il n'y a pas grand monde qui s'inquiète de lui ces temps-ci. Ah non, je te le dis, Sonia, la voie est libre pour une fois. Je pense qu'on approche du succès. Oh, comme t'es fort, maître. Je t'aime. Ordonne, je ferai tout ce que tu voudras. Ouais, c'est vrai. Je suis pas mal fier de moi. Et puis, c'est à votre goût. SICO fabrique une peinture qui couvre bien. Coup sur coup, SICO prévoit le pire pour vous offrir le meilleur. Hallucinant. SICO, SICO. Parfaite pour la une. Titre, super. Et puis le meilleur fait l'humour avec Pipette Tremblay, Edmond Raté, Ronny, Yvan Travaillé, Alain Delisle et Oncle Georges. Oui. Téléhoraires, cinéma, vidéofilm, clip, jeux vidéo, sport. Pour mieux choisir, équipez-vous. Édition câble ou originale. En équipement de sport, pour les grandes marques à petit prix, à tous les points de vue, avec plus de 400 magasins, c'est Canadian Tire qui sert le mieux les Canadiens. Et vous laisse le temps de transformer le talent brut en champion. C'est mon gars, la vraie vedette, c'est le gardien.
Poulet frit Kentucky présente le tout nouveau Varibari. Trois saveurs, un seul contenant. Il contient quatre morceaux préparés selon la recette originale, plus quatre morceaux du nouveau croustillant. Et ce n'est pas tout. En achetant le Varibari, vous recevrez aussi huit délicieux morceaux d'ail piquante. Et combien pensez-vous payer pour ce Varibari? 15,99? 14,99? Non, 12,99. Vous ne paierez que 12,99 pour le nouveau Varibari. Et ce n'est pas tout. Avec cet achat, vous recevrez gratuitement ce pratique sac de papier. Commandez votre Varibari dès aujourd'hui chez tous vos bons poulets frits Kentucky participants. Quand on parle poulet, Visa Mastercard accepté. Sont à moi. J'ai gagné. Il n'y a pas que les pépites qui font gagner. La nouvelle instantanée de l'Auto-Québec, rumée vers l'or. Deux façons d'empocher les dollars. Sico a demandé à ses experts de tester la facilité d'entretien de sa peinture. Et les résultats sont éclatants. Sico prévoit le pire pour vous offrir le meilleur. Julie! Sico! Tu m'as l'air préoccupé aujourd'hui, Jim. As-tu des mauvaises nouvelles? Habituellement, t'es plus pépé que ça. Qu'est-ce qui t'arrive, torieux? Mettons que les nouvelles pourraient être meilleures. Je pense que ça te fera pas bien plaisir, mon ami. J'ai entendu dire que notre chum, Couleuvre, il a complètement viré sur le temps. Couleuvre? Qu'est-ce qui se passe? Y a-tu parlé de moi? Tu vois pas qu'il pense encore que je vais le stouler? Hey, il commence à m'énerver en bon tort! Oh, ben, calme-toi les nerfs, là. Ça a l'air que t'es pas directement concerné. C'est moi qui cherche de ce temps-là. Il pense que je l'ai crossé dans une affaire de drogue. Mais fais attention quand même, il est complètement déchaîné. Oh, maudite merde, je suis écœuré de vivre avec ce fou-là dans le portrait. Mais ça peut plus continuer comme ça, Jim. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose, tu penses pas? Mais comme j'ai dit à Linda, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais moi, je pense que c'est rien qu'une question de temps avant qu'il fasse un autre esti de connerie puis qu'il se ramasse en dedans pour 10-15 ans. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais... Le malheur, c'est que il est bien capable de la faire sur nous autres, sa connerie. Moi, personnellement, je suis prêt à prendre ma pilule. J'ai fait une maudite gaffe avec l'affaire de la Zénith, puis je suis prêt à payer pour s'il faut. Mais ce qui me fait peur, c'est pour Gabi. Et cet enfant de chienne-là, il a déjà menacé. Il suffirait qu'il s'imagine que je vais aller le dénoncer pour qu'il s'en prenne à elle. En tout cas, l'enfant de chienne, tu jamais il touche à un cheveu de Gabi. C'est bien simple, je le tue. Ouais, décompresse, là. Hein? C'est pas par des pédales qu'on va régler son cas. Mêle-toi pas de ça. Je vais finir par trouver une patente. Mais comme je te dis, c'est pas toi le numéro un sur la liste, c'est moi. Bon, on s'en parlait l'autre jour. Dis-moi déjà au téléphone que t'avais peut-être un tuyau pour moi sur Alexandre. Ouais. Remarque, c'est peut-être pas beaucoup, là, mais tu m'as déjà dit que n'importe quoi pouvait t'aider, hein? Fait que j'ai jasé avec Gabi, puis sans qu'elle s'en rende compte, j'ai fait parler sur Alexandre. Ça a l'air que sa sœur Julie, là, est bien inquiète. Ouais, c'est pas la seule. Son oncle Charles aussi est pas mal inquiet pour lui. Mais Gabi, t'as-tu dit pourquoi elle t'inquiète comme ça? Oui, un peu, mais... En plus de ses problèmes de boisson puis de drogue, là, il semble qu'il paraîtrait qu'il est pogné dans une affaire de... Voyons, comment ça s'appelle déjà, donc? Voyons, bâtard, j'oublie toujours le nom. Gourou. Ouais, c'est ça, un gourou. Mais tu sais, c'est un petit peu comme un genre de directeur de conscience comme on avait à l'école, là. Ah, puis elle a parlé aussi de secte religieuse. Puis ça a l'air que quand tu te laisses pogner là-dedans, là, t'es pas sorti du bois. Ah, ben là, je sais pas si ça peut t'aider, mais j'ai voulu te le dire quand même. Ouais, t'as fait du bon travail, mon Denis. En première vue, comme ça, ça a peut-être pas l'air important, mais ça peut être un maudit bon lit. Sans t'en apercevoir, tu vas peut-être de rendre un grand service à notre jeune musicien, toi. Ben, j'espère bien, parce que c'est pour ça que vous l'avez fait. Hey, si jamais il fallait que Gabi apprenne, que je raconte dans son dos ce qu'elle me dit sur les Debrés, là, c'est bien simple, elle m'arrache les couilles. Tabarnouche! Je pensais pas que t'arrives de même, ta Gabi. Qu'est-ce que ça serait si t'as trompé? Aïe, aïe! Non, mais inquiète-toi pas, là. Personne va savoir ça. Mais si jamais t'apprenais d'autres choses, j'aimerais ça que tu me tiennes au courant. Ah oui, je vais donner de quoi pour le trouble. Hey, oh, fais pas le câble, là, voyons. J'ai pas fait ça pour de l'argent, moi, là. Non, non. J'ai fait ça pour aider un gars qui en avait besoin. Puis je l'ai fait aussi parce que t'es un maudit bon charme, Jim.
Merci, mon Denis. T'es bien correct. Mais il y a d'autres choses. Si jamais j'ai besoin d'un coup de main pour faire de la surveillance, j'aimerais ça t'engager. Je te paierai. Ah ben ça, c'est pas pareil, par exemple, hein? Si jamais je travaille pour toi, il a été bien mieux de me payer, mon torieux. Mais penses-tu qu'il y a quelque chose en dessous de cette affaire de gourou-là? Ça ne me surprendrait pas pantoute. En tout cas, je vais y jeter un coup d'œil. Par où que t'as l'intention de commencer? Par un dénommé Christian Savoie. D'après tous les gars que j'ai interrogés, ça a l'air qu'il est en amour avec Alexandre par-dessus la tête. Merci. Je vous remercie, Richard, de m'avoir laissé dormir à l'appartement. Vous ne saurez jamais à quel point votre offre était opportune. J'appréhendais de me retrouver toute seule dans ma petite chambre d'hôtel. C'est dur d'être entourée de milliers de gens dans une grande ville et de ne connaître personne. C'est tout naturel, voyons. Je vous l'ai déjà dit, vous avez probablement plus le droit d'y être que moi. D'ailleurs, je dois vous faire une confidence. Il y a déjà plusieurs semaines que Jackie m'avait demandé de partir. Oh, mais je croyais qu'elle ne vous avait demandé de quitter que la veille de son mariage. Hier, vous avez parlé d'aller chez une copine. Est-ce indiscret de vous demander si c'est... Enfin, si c'est une maîtresse? Non, c'est une connaissance. Non, c'est une brave fille qui m'a rendu quelques services. Mais rien de plus. Il n'y a rien de sérieux entre nous. Je suis... libre comme l'air. Et vous, de votre côté, est-ce que vous fréquentez quelqu'un? Oh, moi, c'est la même chose. J'ai beaucoup de bons amis, mais ça reste là. Depuis la mort de mon mari, je n'ai pas trouvé l'âme sœur. Je dois dire que je trouve ça pénible, la solitude. Et puis, vous savez, c'est pas toujours facile pour une femme seule de faire marcher un petit ranch. Je suis surpris de vous entendre parler de solitude. Une aussi belle femme. Vous devez bien avoir tous les hommes à vos pieds et n'avoir que l'embarras du choix. Vous me faites rougir, Richard. Non, mais sérieusement, là, c'est pas évident de pouvoir trouver comme ça quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde. Je suis une femme simple et j'aime la vie calme. De nos jours, ce n'est pas un choix qui est des plus populaires. En général, les hommes ont tendance à rechercher une vie excitante et pleine d'action. Un peu comme vous. Si vous saviez comment on s'ennuie vite de ce genre de vie. Après un certain temps, on se rend compte que notre existence est vide de sens. Et à quel point les vraies valeurs de la vie nous manquent. Je sais que plusieurs personnes riraient de me l'entendre dire, mais... la mort de votre sœur m'a beaucoup affecté. Elle a été évidemment subite et dramatique. Et je me rends compte à quel point nous tenons à peu de choses. Comme chaque jour est précieux. Et comme je regrette en avoir gaspillé tant à courir après des futilités. Je sais pas si je me trompe, mais... j'ai le sentiment que vous avez beaucoup souffert, Richard. Que vous n'avez jamais trouvé ce que vous recherchiez vraiment, vous aussi. Un peu comme Jackie, d'ailleurs. Peut-être avez-vous raison. Vous savez, le vrai problème, ce n'est pas tant d'atteindre un but, mais de savoir ce que l'on veut vraiment. Longtemps, j'ai cru que la puissance et la gloire étaient les cibles à atteindre. Et je me suis cruellement trompé. J'ai tout perdu avec ma soif de vengeance et mon ambition aveugle. Je me suis aliéné les seuls êtres qui m'aimaient vraiment. J'ai fait le vide autour de moi. Et j'ai même renié ma propre fille. Jackie m'avait confié que vous aviez retrouvé votre fille après tant d'années. Comment avez-vous réagi? Oh, retrouver, c'est un bien grand mot. C'est cet enfant qui avait fait les démarches nécessaires pour retrouver sa mère et par la suite pour m'identifier comme son père naturel. Mais moi, j'ai refusé de la voir. Elle est ma petite fille. Parce qu'il paraît que je suis grand-père. Je sais pas pourquoi. Peut-être par peur de prendre mes responsabilités. Écoutez,
Écoutez, je m'excuse de vous ennuyer avec mes problèmes. Vraiment, je n'ai pas l'habitude de faire des confidences. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pas du tout, Richard. Au contraire, je suis touchée que vous ayez assez confiance en moi pour me dire ces choses. Est-ce que je peux vous demander si vous avez l'intention d'essayer de rencontrer votre fille? Moi, j'ai fait des démarches en ce sens. J'aimerais beaucoup lui parler. Mais je ne sais pas si elle est prête à accepter et à me pardonner. Les panneaux latéraux des nouvelles Saturnes sont faits de polymère jusqu'à 4 fois plus résistant au coup que l'acier. Toutes les autos ne peuvent pas en dire autant. Saturne, l'automobile réinventée de toutes pièces, à partir de $9,995. Vous savez, les plus grandes découvertes s'inspirent bien souvent de la nature. C'est ce que j'ai découvert avec Surénaturel Prima. Une serviette qui utilise cette toute petite plante, la sphaigne, pour son pouvoir absorbant. Créée par la nature pour absorber, elle joue si bien son rôle que cette maxi est mince comme une feuille. Enfin, toute la protection que je veux dans une serviette mince comme je veux. Surénaturel Prima, née de la nature. Pardon, monsieur. Rapidement, qu'est-ce que vous savez au sujet de l'assurance des pros? Pas grand-chose. Pratiquement rien, même. Un petit peu, genre, mais... Vous savez jusqu'à combien vous êtes couvert? Je crois jusqu'à 60 000 $. Vous avez raison, c'est jusqu'à 60 000 $. Est-ce que vous savez si vos dépôts sont assurés? Je pense que oui. Est-ce que vous savez quel type de dépôts sont couverts par l'assurance des pros? Non. Certains dépôts sont assurés et d'autres dépôts ne le sont pas. Pour le savoir, vous pouvez composer le 1-800-461-SADC. Papa? Ben oui. Faut faire comme ça? Bien sûr. Ça va déborder. Ça va rentrer. Ça va marcher? T'en fais pas, c'est parfait. Maman les fait pas comme ça. Ben non, c'est papa qui les fait. Les chaussons directement sortis du four, feuilletés et délicieux. Regarde qu'est-ce qu'on a fait, maman. Avec Pillsbury, aussitôt dit, aussitôt frais. Les chaussons Pillsbury au rayon des produits laitiers. Je suis un vrai chef. Pour un temps limité, profitez d'une remise de $1,000 du manufacturier. Sois raisonnable, Alexandre. C'est ton 5e verre. Tu vas te ruiner l'estomac à boire comme ça sans manger. Veux-tu que je te prépare quelque chose? Oui, mais donc une autre bouteille de champagne dans le seau à glace. Hein? Autrement, fiche-moi la paix, tu radotes, Christian. Arrête de te répéter. Est-ce que tu peux être mes mains? Tiens, rends-toi donc utile. Va ouvrir. Ça va te tenir occupé. Tiens. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Il me semble que j'avais demandé à Alexandre de passer un peu de temps seul pour méditer. Je pense au contraire qu'Alexandre a besoin qu'on veille sur lui plus que jamais. Alexandre, j'ai pensé venir te saluer. Je passais dans le coin, je me demandais comment t'allais. Damien, je suis content de te voir. Viens t'asseoir. Prendrais-tu un verre de champagne avec moi? Ah, c'est tellement moche de boire tout seul. On refuse pas du champagne. Ben, je suis content. T'as l'air détendu. Ah. Ouais. T'as vraiment l'air mieux qu'hier. Est-ce que t'as pris fidèlement le petit tonic que je t'ai donné? J'ai même fini la bouteille. T'avais raison, je suis tout à fait relaxé. Ça m'a fait beaucoup de bien. Même si j'ai eu un sommeil agité, j'ai fait des cauchemars terribles. Ça, c'est pas grave. C'est parfaitement normal. Ben, je t'ai même apporté une autre bouteille. Moi, je pense qu'Alexandre a une allure terrible. Il a l'air fatigué. Es-tu certain, Damien, que ce que tu lui donnes est approprié à sa condition? Je lui ai suggéré de voir un médecin, mais il refuse catégoriquement. C'est parce qu'il a raison. Il n'en a pas besoin.
Je le répète, Christian, viens pas t'immiscer dans mes affaires. On n'a pas besoin de toi. Hein? C'est ce que je lui ai dit, mais... Je me sens très bien, mais il veut pas comprendre. Je veux ton bien, Alexandre. Je sais que ça t'irrite que j'insiste comme ça. Mais tu t'es pas regardé dans une glace. T'as l'air d'un cadavre. T'es en train de tuer à petit feu. Bon, ça fait, Christian. Tu dis n'importe quoi. Alexandre n'a pas besoin de tes commentaires négatifs. T'as pas à questionner sa volonté. S'il dit qu'il se sent bien, c'est qu'il va bien. Je n'allais pas que tu mines son moral de cette façon-là. Que je mine son moral? Eh bien, bonne celle-là. Je me demande lequel de nous deux a son bien-être à cœur. Si tu veux savoir, Damien, je commence à regretter le moment où je t'ai revu après toutes ces années. J'aurais jamais dû amener Alexandre chez toi. Dis pas des choses que tu pourrais regretter. Prends mon conseil. Tu sais pas à qui t'as affaire. Maintenant, j'aimerais que tu partes. Faut que je parle à Alexandre, confidentiellement. Si ça concerne son initiation dans ton culte à la con, je vais entendre ce que t'as à lui dire. Christian, je crois qu'il serait préférable que tu quittes. Allez, sois gentil, je te téléphonerai plus tard. Allez, Christian. Je sais qu'il te déplaît, Damien. Mais il n'y a pas de malice. Il m'aime beaucoup. Il essaye de me rendre service, c'est tout. Tu te trompes, Alexandre. C'est un de tes pires ennemis. Faut faire attention. Ils sont partout. Il y a juste moi qui t'aime, Alexandre. Moi, je vais te protéger. Il ne faudra plus que tu t'inquiètes de rien. Demain, tu vas être une cible de balle. Demain, tu vas être libre. Je vais te débarrasser de tous tes ennemis, Alexandre. Demain, tu vas être à moi. Au diable les complexes, vive l'amour. Nouvelle romance dans Chambre en ville, demain 19h. Après la pause, c'est Adlib.